Oui, je voudrais simplement ajouter pour la bonne compréhension des téléspectateurs que d'abord la commission électorale indépendante est contrôlée par l'opposition, ce qui est quand même une première en Afrique, et que la convention dont on parle aujourd'hui a été passée en 2007 suite à un appel d'offres. Alors c'est un petit peu étonnant qu'à 10 jours du scrutin, on s'aperçoive que ce soit une filiale du Bénat. Je ne crois pas qu'elle ait agi de façon cachée. De toute façon, je pense que je suis de l'avis de Pascal Hérault lorsqu'il dit qu'on va aller certainement à une solution d'apaisement, parce que je crois que les Ivoiriens, et vous le soulignez, ont hâte d'aller effectivement s'exprimer par les urnes. Donc vous êtes... pour prendre les téléspectateurs de France 24, et notamment en Côte d'Ivoire. Mais on commence par Libreville, Gabon, où Kadienelope Cruz Dia nous dit « Non, le scrutin ne se fera pas dans la transparence et celui qui gagnera sera celui qui a su le mieux frauder. » Tout cela pour vous dire que je n'y crois pas trop et c'est dommage. Frédéric Quadio, qui lui est à Abidjan, « Dans l'ensemble, il y a problème. » Certaines zones sont interdites d'accès par les supporters d'autres candidats. Et pire encore, les affiches sont enlevées. Pascal Hérault. Moi, je voudrais souligner, et c'est sans doute une première en Côte d'Ivoire, que l'ensemble des candidats, et notamment les trois principaux qui sont derrière vous, ont pu vraiment sillonner le pays, sont allés dans toutes les régions, que ce soit dans leur propre fief, dans le fief de leurs adversaires, de leurs rivaux, de leurs concurrents, et tout se passe depuis des mois d'une façon tout à fait correcte. Et je m'étonne évidemment qu'il y ait des commentaires qui valent ce qu'ils valent, mais enfin, qui sont visiblement complètement en dehors de toute réalité. Je me demande si les gens vivent en Côte d'Ivoire pour écrire des commentaires qu'ils font en ce moment. En tout cas, ce n'est pas le sentiment en tout cas, de M. Hérault, de moi-même. Moi-même, je suis rentré. Il y a eu des accords de Ouagadougou. Et le désarmement, l'encasernement des anciens rebelles, forces armées des forces nouvelles, devait être achevé 2 mois avant l'élection. Je signale que le jour des élections, ils sont ressortis les casernes. Guy Averti, juste un tout petit mot, parce que... On refait l'histoire. Je n'avais pas aux élections dans ces conditions, oui. Et on refait l'histoire. Oui, mais justement, il y a un... La seule chose, c'est la souveraineté, effectivement, de la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel devait valider l'élection. Il n'a même pas attendu. Il avait 7 jours. Il a passé à peine quelques heures pour répondre. C'était une guerre pour valider et dire que c'était Laurent Gbagbo qui était élu à part 51,8%. Mais encore une fois de plus, c'est un... Cela. Non, le président Gbagbo a été élu avec 51,45% des voix selon le Conseil constitutionnel. Et je m'étonne qu'on passe très rapidement. On dit il a mis 24 heures. Le Conseil constitutionnel a délibéré. Le Conseil constitutionnel a il a 7 jours pour le faire. Et la commission électorale en avait 3, elle n'a pas pu. Mais vous me laissez terminer. Je vais aller jusqu'au bout. Vous êtes un homme important sur ce plateau. Oui, visiblement, on me donne beaucoup de pouvoir. Mais ce que je voudrais dire, soyez sérieux, c'est pathétique. Votre intervention est pathétique. Excusez-moi, voudrais simplement dire que le Conseil constitutionnel est intervenu dès la fin de l'après-midi sur les recours de la majorité présidentielle qui portait sur 600 000 voix. C'est-à-dire que ça circonscrit quand même bien les bureaux. Et il a fait porter sa décision. Mais ce que je voudrais dire, c'est que monsieur... Et nous allons ici... D'ici dans quelques heures, nous allons essayer de statuer sereinement. Donc, il faut s'attendre à l'annonce des résultats définitifs, mais nous avons besoin d'éplucher, de vérifier tous les procès-verbaux qui sont au nombre de 20 000. Ce n'est pas une chose facile. Nous devons le faire avec sérénité et avec la clairvoyance nécessaire pour que le Conseil constitutionnel agisse dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues.
chose. Que va-t-il se passer le jour du résultat? Mais revenons quand même au sondage d'un mot. Vous croyez au sondage? J'y crois moyennement. Disons que cette élection va permettre aussi de juger de la fiabilité des sondages en Afrique et en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il n'y a pas cette habitude de sondage, on n'a pas la même habitude de pratique que l'on peut l'avoir en France. Il y a certains biais. Par exemple, en France, on sait qu'à travers les différentes élections, on a pu prendre connaissance des opinions des électeurs de chaque parti et des tendances de vote. Par exemple, on sait que les votes qui vont au Front National, en général, quand les électeurs, on les approche au téléphone ou en face-to-face, ont tendance à minorer un petit peu leur volonté de voter pour le parti. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas. La Sofres n'a pas l'expérience, n'a pas le recul. On ne peut pas vérifier non plus. Souvent, il y a eu beaucoup d'élections qui ont été truquées aussi. Donc, vérifier ces enquêtes d'opinion qui sont faites avant et les comparer avec les résultats au final, on n'a pas ce recul-là sur l'Afrique. Donc, bon, moi, je serais un petit peu plus prudent. D'autant que le RDR dit aussi, Alassane Ouattara, qu'il a ses propres sondages. Normalement, ils doivent les publier juste avant les élections. Et ils disent que, bon, normalement, Dominique Bangourin. Je ne ferai pas de pronostic sur les sondages. Parce que je pense que sur le continent africain, les sondages, c'est un atout, bien sûr, de pouvoir en avoir, mais ils n'ont pas totalement la même finesse ou la même fiabilité, peut-être, qu'ailleurs. Mais là où... Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est que, bon, les sondages de la Sofres, ce n'est pas Radio Trottoir. La Sofres n'est pas un institut qui peut mettre en cause sa fiabilité en faisant Radio Trottoir en Côte d'Ivoire. Et les 8 vagues de sondages vont dans le même sens, à savoir que le président Gbagbo tourne toujours entre 45 et 47%. Vous avertis, vous croyez au sondage? Moi, ce que je veux dire, c'est la photographie. Il y a eu 8 vagues de sondages. Même comme certains les mettaient en doute, ils sont allés voir Gallup, puis sont allés voir d'autres qui vont aussi dans le même sens. Mais je crois que l'inquiétude vient du fait que aujourd'hui, par exemple, le président Gbagbo, 72% des gens ont une bonne opinion de lui, Bédié 62%, ce qui est pas mal, Alassane Ouattara 41%. À l'évidence, quand même, il y a des tendances lourdes. Et Laurent Gbagbo a fait ce qu'on appelle un mandat blanc, un mandat cadeau, comme on dit à Abidjan, de 2005 à 2010. Il a retardé ses élections, il a cessé de retarder ses élections. Son deadline, c'était le 31 octobre 2010. Il pouvait difficilement aller plus loin parce que ça faisait un deuxième quinquennat. Ses élections, il était persuadé, sans doute parce que des marabouts blancs lui avaient dit, ses communicants, qu'il ne pouvait pas perdre. Il avait l'ensemble, il a des moyens financiers très importants. Et c'est vrai qu'il ne pensait pas perdre ses élections. On a toujours dit qu'il allait faire des élections que pour les gagner. Alors, comment analysez-vous aussi la situation du Parti Socialiste en France, le Parti Socialiste qui a quand même soutenu Laurent Gbagbo et qui semble maintenant se retourner pour s'orienter vers la position, on va dire, des médias français, à savoir demander à Laurent Gbagbo de se retirer? Alors, la position du Parti Socialiste, elle n'a pas changé depuis 99, en fait. Là, c'était sous Jospin, 99-2000, c'est-à-dire l'élection présidentielle d'octobre 2000 qui faisait suite au coup d'État de décembre 99. Le Parti Socialiste, à l'époque, avait déjà lâché Laurent Gbagbo pour le compte de la Alassane Ouattara. Il y avait une tribune dans Jeune Afrique de Guy Laberty, à l'époque le responsable Afrique du PS, qui était pourtant un ami de 20 ans au moins, sinon de 30 ans de Laurent Gbagbo, qui avait dit il n'y a pas d'autre solution que Ouattara. Puis finalement, Ouattara n'a pas été candidat, le PS n'avait pas de ligne, et quand Gbagbo remporte l'élection de 2000, à ce moment-là, Guy Laberty est envoyé par Lionel Jospin à Abidjan, et Laurent Gbagbo le promène sous toutes les tribunes comme caution française à son élection. Donc si vous voulez, c'est un peu une réédition de ce qui se passe de façon récurrente.